Bah pour l'instant, on est comme tous les clubs en préparation. Jusqu'aux premières compositions du pré-match, en général, tout se passe très bien. Ici, à Metz, on court beaucoup. On a un bon prépa, donc voilà, on s'est bien préparé. Hein. Après l'effectif professionnel, c'est au tour de l'équipe réserve de faire son retour sur les terrains de son championnat. Les protégés de Sylvain Marchal auront fort à faire cette saison. Relégué à l'issue du dernier exercice en National 3, l'effectif réserve du FC Metz devra composer avec pas moins de 3 derbies dans la saison, l'AS Nancy-Lorraine, le RC Strasbourg et Thionville-Lusitanos. Dans un groupe de National 3 où il y aura 5 réserves professionnelles, il y a 3 ou 4 équipes qui sont beaucoup renforcées et qui auront des ambitions dans ce championnat. Donc je pense qu'on aura un championnat qui sera et homogène et de qualité. Les objectifs sont multiples pour l'effectif réserve. S'ils sont collectifs au niveau du classement, ils le sont aussi de manière personnelle pour les joueurs, en étroite collaboration avec les professionnels du club. Nos objectifs, comme vous l'avez dit, collectif, c'est le maintien surtout. En M3, on va essayer de prendre un maximum de points. Et après, plus individuellement, déjà jouer un rôle de leader, on va dire, parce que je suis l'un des plus grands. Et donc, je vais jouer ce rôle-là. Et après, je vais essayer d'intégrer au maximum le groupe professionnel. Dans sa campagne de préparation, les Grenats restent invaincus avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Pour mener à bien les différentes missions de cette saison, il ne faudra pas manquer le début du championnat, un déplacement à Reims-Sainte-Anne le 27 août. À l'entraînement comme en championnat, pas question d'être en retard, sous peine de prendre l'eau.